Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bugger, vous allez me faire crasher, arrêtez vos conneries. Coucou Mathaz, bon courage pour le kiné. Chante-lui ta petite chanson, il va être content. Coucou Sorette. Coucou Cheryl. Coucou Kalila. Il y a Mamélo aussi, je crois, il y a Mamélo. Oui, il y a Mamélo. Tu peux le passer sur ta peau. Alors attention, attention, est-ce qu'il y a eu copulation? Non, pas eu copulation. Bien. J'espère que vous allez bien. C'est la chuchu synchro. Ouais. La chèche, la chèche. La chèche, la chèche. Hier soir, j'ai commencé ceci. Donc on va continuer ceci. Pas de roulette aujourd'hui. Vu que j'ai terminé la roulette, attention la copulation. Attention la copulation! Ah, il est moche le deuxième, hein? Ah là là, on va récupérer quelle couleur là? Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça va. Parce que j'étais sur quoi pour la roulette? Ah, c'était le. Yeah. La mémoire est là. C'était le matchsticks. Enfin, le truc là. Prout. Mais je suis pas convaincue des Black Edition, n'est-il pas? Allez, allez. C'est la chouchou, elle a demandé la dame, elle a pas demandé le tchè, 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 tchè. Ça bug chez moi? Non. Oh, c'est quoi ce son? Je sais pas. Parce que j'ai pas mis la playlist, bien entendu. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas la playlist Twitch qui est en cours. Oh, mon PC est en PLS. Attention, c'est parti. S'il vous plaît, la playlist Twitch. Voilà. Merci. Et sinon, vous, vous allez faire quoi aujourd'hui? Vous avez fait quoi ce matin? Moi, hier soir, j'ai pensé en me couchant, je me suis dit dans ma tête, ah, oh, t'as pas fait les sourcils et t'as pas fait les lèvres. Oui, mais il est pas fini ton colo, meuf, c'est pas là. C'est pas grave, tu feras demain. Je vous jure. Quand je me couche, je m'énerve. Je vous rapproche quand même. Boulot, ouais. Sorry. Bon courage. Ah, et je voulais regarder un colo déjà fait ou. Parce que je sais pas comment je vais faire étant donné que la lune est là, mais là, la lune se change, se transforme en top, et après, la lune est derrière. Je sais pas trop comment je vais goupiller le truc. Je sais pas. Enfin, un colo, une question. Voilà. Voire plus. C'est moi ça. Du coup, je le fais dans le Fairy and Fantasy 4, pas dans le Wildflower Folk. Parce que comme ça me permet d'entamer un bouquin. Et pas folle la guêpe, hein. Mélo, t'es en mode de vie? Dans ce livre, c'est du papier Mamazone ou du. Ah, c'est Mamazone. C'est livre Mamazone, ça. C'est Mamazone, c'est pas ouf.
Mais ce colo est dans le Wallflower, avec du meilleur pavé. Si c'est la version Blue Angel. Devis jusqu'à 15h30 et après réunion. Youpi! Oh. Du coup, au final, t'as réussi à le trouver, Kalina, le Wallflower? Potential breakup song. Someone could be the closest. C'était lequel après celui-là? Celui-là? Ouais, sur le site Osfire. Ouais. Faut que je regarde ce qu'il y a dedans. J'aime la couverture. Dans celui-ci, bah la vidéo de présentation arrive bientôt. J'en ai encore filmé quelques-unes ce matin. Voilà. Un jour, je serai à jour. Un jour. No more chaos. Il y en a pas mal qui sont dans le Wallflower, il me semble, dans celui-ci. Taz, elle a déjà fait celui-là. 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 Elle m'énerve. Avez vu le colo qu'elle était censée rater? Franchement. Pff, elle me dégoûte. Mais on voit pas. Vous voyez pas le make-up et les. Enfin. Ah, il y a de la couleur quand même dans les yeux. Le focus, par contre, maintenant. Le focus. Le focus, madame. Madame. Merci. Ouais, c'est ton de. Elle est censée rater un colo et non. Ah bah non. Ah là 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 là. I figured it out. Il faudrait que je regarde pour le fond parce que là, franchement, je sais pas. Tiens, toi qui aimes le nail art, Zazou va ouvrir une chaîne YouTube. Sérieux? Mais elle fait des fausses. Enfin, c'est des ongles qu'elle colle, elle, me semble-t-il. Think twice. Fais-toi masser, toi. Non mais. C'est honteux. Je sais pas si t'en as commencé un autre du coup, Taz. Vu que tu l'as terminé. Va falloir que je fasse les photos, moi. Du portrait. Du vitraux. Pokéfil. Bah, je vais commencer celui que tu fais là. Bah oui, c'est vrai. Je suis bête aussi, hein. Ouais. Waouh. Et tu vas le faire dans le. Dans le Wallflower, toi. Aïe. Ouais. Au revoir. Oui. Non, il va faire du bien. Ton sauveur.
Je pense que pour les fleurs, je vais réutiliser ce que j'ai utilisé pour ses yeux, sur, enfin au-dessus de ses yeux, je pense. Je sais pas. Voilà. Coucou Aurélie, comment ça va? J'ai Bella qui ronfle depuis ce matin, elle n'a pas bougé quoi. Elle est sur un de mes polaires. Oh mais alors là, elle a the place quoi. Elle ne bouge pas. Attends, elle a bien dormi cette nuit, hein. Sur moi, bien entendu. Oh. Ça fait longtemps que je n'ai pas venu ici. Bonne année. Ah oh, oui, bonne année à toi aussi. Des beaux colos. Plein de crayons. Plein de couleurs. Donc là, aujourd'hui, je suis sur du Christine Caron. C'est un duo qu'on s'était prévu avec Taz. J'ai envie d'éternuer, au secours. Je vais pleurer. Il veut pas. La tempête de neige, arrête. Ah mon Dieu. Ah bah, on est resté à la maison, hein. Hein? Toutes les écoles étaient fermées, bien entendu, hein. Amiens, ils sont pas mouillés, hein. Il fallait qu'on garde nos enfants à la maison, hein. Le jeudi, le vendredi, et eh ben ouais. Ils se sont mis bien. Bon. Semaine pro, les tracteurs partis, ça va être sympa. Ah oh non, mais ils y sont déjà sur Amiens, mais bon, c'est sur la rocade. C'est pas Amiens qui choisit, c'est la préfecture. Bah écoute, les bleds d'à côté, ils ont. Les écoles étaient ouvertes. Hein. Ce qui n'était pas Amiens Métropole, c'était ouvert. Hein. Voilà. Il y en a qui ont bien dû se foutre de notre gueule. Vraiment. Tracteur parti avec la dame qui est décédée. Ah oui, toujours. Oui. Bah oui. Hein. Il faut qu'ils continuent de toute façon parce que ils sont tellement payés. Non, non, c'est honteux. Hein. Et c'est des gens qui travaillent autant comme ça. Non. La dame est décédée, sa fille aussi, hein, du coup. Il n'y a que le père qui s'en est sorti. Et du coup, ils avaient aussi une autre fille de 10 ans, mais qui n'était pas sur les lieux. Et comme récompense, voilà, ils ont les députés ont décidé de se verser 300 euros de plus chaque mois. À cause de l'inflation, bien entendu. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Ces gens, ils me dégoûtent. Comme si déjà avec leur gros salaire, ils sentaient quelque chose de l'inflation, hein. J'ai été triste d'apprendre cela, mais je n'ai pas suivi pourquoi il y avait grève. Ah non, mais ça fait un moment qu'ils sont en grève, mais il a fallu qu'il y ait cet accident-là pour qu'ils en parlent finalement.
C'est malheureux, hein, mais tout ce qui est chaîne d'information. Je m'en bats les couilles. Il a fallu qu'il se passe ça parce que bah, toutes les grosses chaînes d'information ou quoi, de toute façon, c'est des gros riches qui les gèrent. Bilan, ils sont du côté. Voilà, tout et ils nous montrent que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Et ça, ils ne nous le montraient pas. Alors que ça fait un moment qu'ils sont en train de galérer, les agriculteurs. Ça fait un moment qu'ils essayent de se faire entendre, mais voilà. L'animal. Quand on voit le taux de suicide. Il s'est passé quoi avec la dame fille? Je comprends pas. Bah, il y avait un blocus sur une route et il y a une voiture qui est passée et qui a boulé une famille d'agriculteurs qui manifestaient. La mère de famille, elle est morte sur le coup, elle, je crois. Je sais plus. Sa fille, en fin de journée, me semble-t-il. Là, j'ai entendu ce matin que Ruffin, il est de la Somme, lui. Il va. Les 300 euros que. Bah, vu que les députés qu'il va avoir en plus, bah, il va les donner aux agriculteurs. Ils ont chopé la personne au volant. Il y avait trois personnes dans la voiture, oui, ils ont été attrapés. Et ils étaient en. Je sais pas si c'était en. Ils avaient des soucis de papier ou je sais pas quoi. C'était non pas renouvelé ou je sais pas trop compris le truc. Il y a une voiture qui a percuté des ballots de paille et derrière il y avait une tente avec. Oh là là. Ce sont des. OQT. Là je ne comprends pas ce diminutif-là. Voilà. Je suis pas toute seule. Ça me rassure. Ils sont obligés de quitter le territoire. Ouais, donc ils étaient encore là, mais ils auraient pas dû être là. C'est ça? Parce que est-ce qu'il va y avoir jugement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose si je retourne dans leur pays? Je sais plus si c'était. Je sais plus quelle nationalité ils étaient. C'est ça, ils étaient en France illégalement. En fait, ils n'ont pas de papier. Génial. Oh là là. Le pays parabolo. Non mais franchement. Plus je vieillis, moins j'ai de vivacité d'esprit. Ben, je savais pas, Kalina. Voilà. Est-ce que je m'en souviendrai ce soir? Je ne pense pas. Là, le coup qui demande une augmentation à 300 euros de salaire chaque mois, vous imaginez? Nous, on a une augmentation. C'est quoi les augmentations qu'on a, nous, quand on en a? Non, mais foutre de la gueule du monde, franchement. Ils ont. Oh enfin, ils nous respectent, mais vraiment pas, quoi. C'est hallucinant. Puis ça passe, sans souci. Moi, ça, je trouve ça choquant, je sais pas. Moi, ça me choque. En plus, tu vas pas me dire que c'est difficile, hein, d'être assis. Hein? Honteux. La révolution. Révolution. Ça va finir par arriver. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Lose control.
Parce que tu arrives à avoir une augmentation de salaire, toi? Non, je suis au SMIC depuis 12 ans. Parce qu'autant demander de l'eau bénite au diable. Mais oui! C'est hallucinant. C'est 32. Voilà. Bon, ça c'est les lèvres, je sais pas du tout. Pas du tout. C'est foutage de gueule. De la gangrène. Quoi qu'il en soit, bon courage à la famille de cette dame, triste affaire. Non mais sérieux, oui. Puis là, du coup, bah déjà la. Lui, ils sont tous mobilisés à certains endroits, ils se donnent des coups de main entre eux pour pouvoir quand même faire tourner leur exploitation. Et là, ils se sont mis à plusieurs pour aller bah, justement gérer l'exploitation de ces gens parce que bah ils n'ont pas d'arrêt de travail, ces gens-là. T'as pas l'arrêt maladie, t'as pas les tout ça, hein. Ils doivent se démerder quoi qu'il arrive. Donc ça aussi, hein, je suis désolée. C'est pas normal. Donc ouais, ça se relaye et ça va faire le taf. Quand qu'il arrive. Faut que ça tourne. Les animaux doivent être nourris. Très. Un parlement le mercredi, ça peut être annulé. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a de la neige, c'est pas grave. Question, est-ce que les grandes distributions va la grande distribution va pouvoir assurer la nourriture de matière en matière de fruits et légumes? Je sais pas si les livres pas, si. Moi je pense que de toute manière, la plupart c'est de l'importation, on va pas se le cacher. Hein? Franchement, je sais pas. Je sais pas si on va vraiment le ressentir. S'ils font juste un blocus ou. Bah, c'est la même chose pour tous ceux qui sont en auto-entrepreneurs et artisans. Bah, c'est ça. Parce que les rayons seront vides, à mon avis. Je pense que ça risque grand-chose. Que ça risque. Pas grand chose peut-être. Parce que bon, les grandes distributions, ils y sont aussi. Hein, c'est un peu de leur faute aussi. Hein, à prendre une marge hein, entre eux. Les centrales d'achat, tout ça, hein, ils s'engraissent. Hein, parce que les trois quarts des fruits et légumes viennent d'Espagne ou du Maghreb. Ouais. Ouais. I am fakeness. Shut up. C'est ce que ça me semblait. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah. L'argent, ça sera toujours le souci. Tant qu'ils voudront toujours en avoir plus. Okay, alors que les plus méritants, ça serait quand même ceux qui produisent, justement, pas ceux qui vendent. Non? Hey! Ils vont tous.
Ils vont nous faire. Attends. S'il y a une pérennité, ils vont augmenter les prix. Oh bah. Ils vont nous créer des trucs, c'est sûr. Ah, tiens, elle était là. L'autre jour, Doudou, j'avais mal serré mon fauteuil, bien entendu. Elle est où? Bah, je sais pas, je l'ai mis quelque part pour la retrouver facilement, n'est-ce pas? Bref. Quand je pense qu'avant je payais une laitue 89 centimes 3,50 €? T'es dans quelle région? Oh! Moi c'est passé à 1,79 et c'est hors de question. J'ai enfin rallongé. Ouais, je pense que c'est surtout les gens qui vont prendre peur et acheter en masse, comme pendant la pandémie. Oui, mais les gens sont tellement cons. Je rêve de dire ça à mes clients là. Je sais pas comment faire pour le reste. Je vais faire les feuilles, les fleurs. Je pense que je vais faire la lune en. Oh, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que là, ça me trigger un peu, là, le top lune. Ah, moi j'achète pas. Hein. On a des distributeurs de légumes là où j'habite. Ouais, c'est bon, dans une salade 3,50 €. Bon, déjà 1,79 € c'est hors de question. En 3,50 €, je me prends trop le chou, tu penses? Ah. Il me faut le noir. Le noir, le noir. Il est là. Non. Qu'est-ce que j'ai fait de mon noir? Prismacolor. Il est en rallonge crayon ou pas? Je sais plus. Il est là. C'est quel groupe, s'il te plaît? Ah, ça, c'est. Attends, j'ai un trou. One Republic. C'est truc d'Assassin's Creed. Mirage. Elle perd son corps, fait genre une ombrage en dessous et hop là, bien sûr. Ok, mais non. Hop là, voilà. Du coup, je disais, moi j'essaye de les prendre aux distributeurs du coin, c'est vraiment producteur, producteur quoi. Et généralement, elles sont à 1,20 € quoi. Les salades. C'est pour ça, quand je vois que c'est au-dessus d'un 30 ailleurs, je prends pas. C'est niet. Je prends des icebergs dans ce cas-là. Mais non. Ou de la mâche. Mais moi qui aime beaucoup la salade, voilà. Tristesse. Mais faut pas pousser, quoi. On va me dire qu'ils les vendent à 3,50 €. Pour la salade, je cherche un bon maraîcher. Pareil pour le miel. Moi, Doudou, il en ramène du boulot. Ils ont mis des ruches.
Et puis en ce moment, mais sinon avant, il ramenait aussi des œufs du boulot. Il y a un de ses collègues qui a des poules. Mais là, elles pondent plus trop en ce moment, donc on n'en a plus. Donc j'en rachète dans le commerce. Sinon, bah pareil, au distributeur, je préfère aussi. Producteur du coin. Ça, j'ai des œufs aussi, pas trop cher. Élevage de mulots qui veut des mulots tout chauds du jardin. Ah non. Merci. Il y a peut-être un agriculteur qui fait des paniers ou de la vente en direct. Ouais, faut te renseigner. Ouais, soit je fais ça, sinon j'ai Otera, pas trop loin. Tu peux faire de la cueillette. Ils doivent les jeter en plus leur salade, tu vas pas me dire qu'ils les vendent à 3,50. Ça peut valoir grave le coup, même pour la viande. Je sais que mes beaux-parents, ils ont une école agricole pas loin de chez eux. Et ils ont un magasin où il y a des producteurs qui vendent leurs produits. Du coup, oui, leur viande, c'est souvent qu'ils la prennent là. Je recherche mon noix. Je le rangeais, ouais. C'est ce que je cherche, mais celui de chez qui je veux, c'est à trois villes plus loin. Ah ouais. Simone, elle a de la bonne viande. Direct du producteur. Pour le poisson et la viande, ça va, j'ai mes adresses, mais pour les légumes et fruits, c'est autre chose. Ah non, on n'est pas très poisson. Je sais pas, forcément le cuisiner. De toute façon, c'est des viandards et surtout épicerie salée. Salée sucrée, ah ça aime. Les légumes, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je mets après? Toi que la salade à 3,50 €, les gens achètent quand même. Ah, ils sont tarés, ils m'ont signé tout. T'imagines à combien de temps rien ta salade composée là? Oh. Oh non. En plus, la plupart du temps, elles sont pas très grosses, hein. Donc, non, non, non. C'est du vol. C'est des bananes, je vais arrêter d'en acheter parce que je les achète vertes exprès pour les garder plus longtemps, mais à peine rentrées de la maison, elles sont déjà. Tu te dis putain, mais il y a un microclimat chez moi, c'est pas possible. Du coup, j'arrête d'en acheter, tant pis, les petits. Faudrait que je leur reprenne des kiwis. C'est les compotes. J'ai du mal à les acheter en. Bah là, je les achète en truc tout vite fait, mais. J'ai pas forcément confiance. Mais ils kiffent le pomme fraise, et le pomme fraise, tu le trouves pas en pot. Pourquoi? Je me suis dit, la dame, elle doit avoir un salaire de 10 000 euros. Mais c'était la patronne, en fait. Elle a pas regardé le prix, sinon, c'est pas possible. Si tu as Facebook et qu'il y a un groupe de discussion sur ta commune, tu peux te renseigner dessus. Nous, c'est comme ça qu'on a su qu'un nouvel agriculteur s'est installé l'an dernier. Ah, cool. Je peux imaginer son train de vie, acheter une salade à 3,50 €, elle se fait avoir. Oui, Mélo.
Non, mais là, tu fais les courses, maintenant, c'est l'horreur. Tu regardes, tu fais... Oh! What? On va peut-être manger autre chose. J'ai repris de quoi faire une raclette ce week-end. Bah nous, les bananes, il faut qu'on attende une semaine pour qu'elles mûrissent. Ah bah non, moi c'est... Ah non. J'aimerais bien. Puis tu dis, allez, je vais prendre équitable, étiquable. Enfin, je sais plus trop là. Mais bon, c'est pareil. Voire même pire. Elles ont limite pas la transition du vert au jaune. C'est direct noir. Je fais bon, ok. Bon. Et bah, mes enfants, c'est même pas la peine qu'ils y touchent. Hein. Ils veulent pas. Hein. Si la banane n'est pas à peine mûre, ah bah ça ne. Non, ça ne l'intéresse pas. S'il y a du noir dessus, c'est mort. Noir pour eux veut dire caca. À ce qu'il paraît, les bananes sont modifiées pour mûrir. Oui, c'est ce que j'ai cru voir des vidéos. J'ai vu des vidéos aussi, ça m'a. Ouf! Faut... Non, j'ai oublié de faire celle-ci. Ah non, mais ça trigger, hein, tu vois des trucs. Pouh! On mangerait plus, hein. Là, bah, avant de lancer le live, j'étais sur Insta et j'ai vu un réel de Brut où il y avait Hugo Clément qui parlait. De grosses boîtes d'entrepreneurs dans la conserve. Voilà, donc les grosses marques, style Bonduelle, il y avait quelle marque aussi? Dossi, et je ne sais plus lequel, qui vont devoir payer des amendes ou je ne sais quoi, parce qu'ils n'ont pas prévenu les consommateurs que leur conserve contenait du bisphénol A. Voilà. Mais voilà, ils se sont mis d'accord entre eux, entre voilà, un gros groupe de merde. Ils se sont mis entre eux, ils sont discutés, ils se sont dit, tiens, pourquoi on refourguerait pas quand même nos conserves sans en prévenir en fait. Donc ils ont arrêté un petit peu les productions et ils ont écoulé leur stock. Heureux. Ils ont écoulé leur stock de conserve avec le bisphénol A sans le mentionner, bien entendu. Voilà. Donc les gens ont acheté ou achètent encore, on ne sait pas trop où en sont les stocks, mais voilà, des conserves contenant du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien, bien entendu, et qui est interdit. Voilà. Mais ils se sont dit, pourquoi pas? Il faut qu'on écoule nos stocks, hein. Voilà. C'est ouf. Ça me tue. Mais voilà, les gros groupes, voilà. Les gros patrons. Eux, ils ne mangent pas de conserve. Hein. Tous les légumes et les fruits ont été modifiés à un moment donné. Mon conjoint râle généralement quand je prends des bananes en grande surface, une raison de plus pour aller chez le maraîcher. Quand on voit la viande aussi qui rajoute plein d'eau dedans, ou ça pique, ça te rajoute des. Oh là. Nos tomates n'ont pas le même goût qu'il y a 30 ans, c'est clair. La peau est moins épaisse et il y a moins de pépins. Bah déjà, t'as des tomates, tu t'achètes tes tomates en grande surface, le temps qu'elles mettent à mûrir, c'est un truc de fou, hein. C'est... Du coup, je suis obligée de faire les pâtes moi-même. Aïe, aïe, aïe. J'en achète plus, j'ai vu ce qu'il y avait... Oh là là, non. À l'aide, au secours. Oh là là. Puis après, oh, il y a beaucoup de cancers. Oh, c'est étonnant. C'est bizarre quand même. Oh, recrudescence de cancer, recrudescence de. Oh. Affolant. Ils nous font manger de la merde. Qu'est-ce que je rajoute comme couleur? Les fruits et légumes, c'est du vide. Plus de goût et plus rien dedans. Mmh.
Nous, on a un potager. Accrochez-vous. Coucou Dino! Pareil pour les yaourts. Quand j'ai su c'était quoi le conservateur, je suis allée prendre une yaourtière directe. Faut vraiment un retour en arrière. Mais. Faudrait. Hein. Oui, toutes les entreprises qui ont voulu se faire du pognon et qui ont. Oh, le jambon. Oh. On ne peut plus s'en servir parce que les sols ont été empoisonnés par des produits. Oh. Bah, de toute façon, là, je vois à Amiens, hein, les poubelles, tout est enterré. Hein. Ils nous font trier, mais tout est enterré au même endroit. Hein, que ce soit les poubelles. Voilà, on fait du tri pour rien, donc suite à un incendie et des puits. Oh là là. Moi aussi, j'ai acheté une yaourtière, c'est tellement meilleur. J'en avais une. Je crois que je l'ai revendue. Parce que bien entendu, mes enfants n'aiment voilà, que les yaourts au chocolat, les Danonino. Bah, de toute façon, la planète, on est en train de la pourrir, mais alors jusqu'à la moelle, hein, donc nos mers sont dans un état pitoyable, les sols aussi. Hein. C'est nous qu'on devrait jeter à la poubelle, hein. Franchement. Hein. L'être humain bousille tout. Il faut qu'on limite l'eau du robinet. On ne peut plus manger les œufs de nos poules. Oh, punaise. L'eau du robinet, de toute manière, moi ici, je peux pas. Elle est pas bonne du tout, donc c'est niette. Le problème, c'est que lorsque tu essaies de planter, tu as une amande. Oh là là. Pognon, le pognon, le pognon. Le progrès c'est bien, mais ça tue tout le monde. Eh oui. L'eau du robinet, je ne prends plus, mais l'eau en bouteille, c'est pas. Bah non, c'est plein de particules plastiques. C'est. Au secours. Voilà. Puis encore, moi je trouve ça louche, Evian, enfin toutes ces grosses marques d'eau, tu vas me dire que la source est inépuisable comme ça, qu'ils arrivent à prendre. Enfin, je comprends pas trop. Je faudrait que je regarde des documentaires là-dessus, mais je trouve. Enfin, j'ai peur. Mais je dois acheter un filtre le mois prochain. Kikou Cassie! Je trouve ça bizarre aussi cette histoire d'eau. Parce que... Coucou Kael. Ah bah oui, les alertes, bah j'ai eu le tour hier avec Taz, hein, voilà. Un documentaire soupçonne que c'est de l'eau du robinet mise en bouteille. Oh. Oh, putain. C'est chaud.
Hello est refaite à partir des oligo-éléments qui étaient censés y être dans la source d'origine. Merci Cassie. Ce monde est à chier. C'est ouf. Puis encore, tout ce que le gouvernement ne nous dit pas, nous cache, c'est obligé, obligé. Comme le coup du... Comment ça s'appelle là, là? Qu'a brûlé là, à Paris, là, là... Notre-Dame. Ça, je suis sûre que c'était manigancé. Tu m'enlèveras pas ça de la tête. Je suis sûre qu'il... Il crée des trucs exprès pour faire peur aux gens. Il manipule, c'est... Oui, c'est un gros vent. Ah, mais oui. Il faudrait que bah, le gouvernement change, mais c'est compliqué. Il y a tellement de tordus, de menteurs, de manipulateurs. C'est chaud. Est vraiment dirigé par du caca. Ah, Notre-Dame, franchement, elle a tenu des années, il y a déjà eu... non, ils avaient prouvé par A plus B que c'était pas possible que ça prenne feu comme ça. Donc non, franchement, j'y crois pas. Ils ont décidé de fabriquer du lait avec du lait de cafard. Le chocolat est fabriqué en laboratoire maintenant. Arrête. Mon Dieu. Déjà que tu vois qu'il y a des insectes dans les chocobons. Ah, voilà. C'est ton Dieu. Non, 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 non. Coucou, Hello Colo! Comment ça va aujourd'hui? Ah, mais la prochaine génération. Chaud. Parce que t'as quand même les deux sortes de gens, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui savent que c'est de la merde, qui essayent de changer les choses, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas assez pour contrer les riches de brun là. Laissez le projet, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Les insectes dans les yaourts et le thé aussi. Ils veulent vraiment que les gens aient un minimum et puis... Arrête. On est sur un débat compliqué. C'est parti à partir de quoi? De la salade? Le prix de la salade? Je sais plus. Non, par rapport aux agriculteurs, les manifestations, tout ça. Je pense que personne n'est heureux de travailler tout le temps, hein. Franchement. Peut-être les gens qui aiment vraiment leur métier, oui. Pour pouvoir les exploiter et s'en mettre encore plein les poches. Elle va sortir les banderoles. Merde, j'ai peut-être un peu trop taillé, j'ai peur que ça pète. Ça va faire comme Dizia hier soir, quand j'ai entendu Samine se péter. Voilà, la désespérance.
Non, mais ils vont bientôt nous facturer l'air qu'on respire. Qui est déjà de mauvaise qualité, hein. Ah, ils vont trouver. J'ai leur voiture électrique là et oh. Faut arrêter de nous prendre pour des. Hein? Ah, c'est tellement écologique, ouais. Ouais. C'est vrai que pour les fabriquer, très écologique. L'anonymat a lieu sur Internet dans 6 ans, si ma mémoire est bonne. Ouais. Elle est au bout de sa vie, Mélo. Un peu plus. Ah, t'as fini ta séance? T'as chanté ta chanson à ton kiné? Le pire, c'est que j'étais en train de regarder les bouquins souverainistes du cercle Aristote avant de venir. Je pense que j'aurais du mal à lire ça. Hein? J'ai déjà eu du mal à lire. Malaisante, bienvenue, dis donc. Nous sommes sur une conversation malaisante. Tu tombes bien. Moi, je dis, on mange de la merde depuis toujours, donc ben, continuons à manger. Les sardines à la moutarde, à l'ancienne. Est-ce que c'est vraiment de la moutarde à l'ancienne dedans? Chiant, je lui ai chanté une chanson de live to live antalgique. Waouh. Prends pas peur, malaisante. Thèse est malaisante. On comprend pas ce qu'elle dit. Macro, s'il te plaît. Ah oui, macro, pas sardine. Attention. N'empêche que j'en ai pas acheté depuis que t'en as parlé. Ah! Merci, malaisante. C'est dans le Fairy and Fantasy 4, donc de Christine Caron. Mais il y a aussi ce colo dans le Wallflower Folk, que j'ai pas sous la main. J'ai dû le ranger, je ne sais où. Je suis ton père. Père de ses. Oh, punaise! Si Taz devait retourner à l'école, ça serait difficile. Bon, comment je vais faire les petites fleurs? J'ai dit que je voulais réutiliser ce que j'avais utilisé pour ses yeux, là. J'avais utilisé le 104. Donc le 104 est pris d'office. Mais sinon, je ne sais pas. Je vais reprendre. Les yeux, je les ai fait avec les. Les polis, donc je les ai pas là. Enfin, si, ils sont là derrière, mais. Ouais. Penchez-toi, Taz. Ah, tes conneries. Qu'est-ce que je peux mettre? Parce que c'est des fleurs de. C'est pas des fleurs de courgettes, ça ressemble, hein? Elle écrit avec l'accent, en fait, c'est ça? Qui fait que Taz est incomprise. Ouais, avec l'accent, ouais. Arrête de chercher à savoir comment faire la loune. Non. Ça te trigger pas, toi, Taz, la lune qui devient un top et qui est derrière, après. Moi, je crois les gens le savent depuis toujours, sauf que avant, personne n'en parlait, et comme l'être humain est pourri et que aujourd'hui, à part faire le buzz et pas régler les vrais soucis des pauvres gens dans le besoin, bah, ils préfèrent mettre ça en avant parce que l'être humain est pourri. Ouais. Non, parce que l'être humain court après la gloire, le pouvoir et l'argent. Voilà. C'est chaud. J'avais pas remarqué, je vais regarder. Tiens. Ouais, moi ça me trigger là. J'ai vu ça ce matin. Comment je vais faire? Parce que je vais être obligée de faire son top de la même couleur que la lune ou. J'ai encore oublié une feuille. Et personne ne me dit rien. Eh ben voilà. Ah bah. C'est génial, hein?
Sinon, tu fais genre, c'est la continuité du top et le bout dans le fond, tu camoufles. Franchement, je sais pas. C'est quoi ça? C'est la fleur? En même temps, en France, on se plaint, mais est-ce que vous imaginez ce que ça doit être dans les autres pays? Enfin, surtout aux États-Unis, je pense que là-bas, ça doit être encore pire ce qu'ils bouffent. Amour, gloire et mélo, ouais. Next one! Amour, gloire et mélo. Oh merde, c'est quoi cette lune qui s'est passée? Que s'est-il passé? L'être humain ne sait pas se concentrer sur ce qu'il a, il en veut toujours plus. Jamais vu les Marseillais. Oh non, je veux pas, moi. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non, déjà rien. Oh non, mais tu vois que ces gens-là, ils gagnent. Ce qu'ils gagnent, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Voilà. Honteux. C'est les personnes qui méritent vraiment, qui devraient toucher ce salaire-là. Les éboueurs, je sais pas moi. Les médecins. Enfin, les personnes. Les infirmières, personnes dont on a vraiment besoin. Ah, le fait qu'on en veut toujours plus, ça me rappelle une blague salace. Oh, Cassie, dis donc. Et Cassie, elle est passée de l'autre côté, hein. Ah, elle est passée du côté obscur, Cassie. Alors, attends. Moi, je dirais plus Amur, Chlamyde. Le prénom Raclette et Tartiflette. Lol. Ça peut être des trompettes des anges. Trompettes des anges, ça existe vraiment, ça? Le fait qu'on veut toujours plus ça. Ah, oh, mais non, ça c'est bon, je l'ai lu, ça suffit. Frenchy Shore aussi. Ah, mais alors là, ils ont touché le fond. Ils ont touché le fond. Non. Capitaine Tasse, tu n'es pas de notre galaxie. Une pâte est une pâte, parce que en rayon entier en magasin. Là, je suis pas Sève. Bordoche, ça vaut bien. Darling. C'est dans quoi qu'il y a un darling? C'est pas dans Ils sont en dalmatien ou. C'est pas Cruella qu'appelle le gars comme ça? Darling, non? Tu lui diras, elle a raison, sont drôles, il faut regarder premier degré, mais je préfère ça que les infos. Bah, aucun des deux en fait. Je préfère me regarder une bonne série ou lire un bon bouquin. Un jour, ma belle-mère a voulu me faire regarder les Marseillais. Je lui ai demandé où sont les vêtements de. Non, mais cette lune, Val, pourquoi? Ah, tu vois, maintenant, on est deux à avoir un souci. Dans Peter Pan, je crois. Oui, c'est la famille, darling. Mais je crois qu'il y a Cruella d'Enfer qui dit darling ou je sais pas quoi au père de famille qui a les chiens. Pourquoi autant de marques? Une pâte est une pâte. Bah, c'est parce que la concurrence, voilà. Tu causes ou tu colos? Bah, les deux. La belle et le clochard? Je sais pas. Bon, moi, je vais lui dessiner une épaule. Désolée, la lune sera derrière. Moi, je sais pas dessiner des épaules, moi. Paulette. Paulette. Je sais pas, moi. Je sais, comment veux-tu lui faire une. C'est dans les indestructibles. Ah ouais, Edna, celle qui.
C'est Amanda Lear. Ouais. Mais j'ai du mal à vous rattraper là. Didi. Didi est là. Kiki Didi. Comment ça va? T'as pas travaillé aujourd'hui? Ou t'as travaillé ce matin? Pour les couleurs, il y a des blancs, des jaunes, des roses, des bleus. Taxi. Quand même. Son fils lui transmettra, désolé, je fuis cette femme. La lune, regarde. La lune, elle est là. Mais là, ça devient le top de la dame. Et après, hop, elle est derrière. Pour ça, je sais pas. Ouais, c'est chelou. Je lui dessine et puis c'est tout. Ils ont pas de culture générale, les Marseillais, non. Oh non, ils ont. Non. Non, je continue pas. Je continue la lune. Continue la lune. Continue. Ah, bah c'est vrai. C'est tous les jeudis? Ta quête Pokémon du jour? C'est un haul une tendance, c'est ça. Bah, c'est pour la Fashion Week. Vous avez vu les looks qu'ils ont, non? Ça aussi, je comprends pas. Je comprends pas ce monde non plus. De faire des tenues qui sont immétables à des prix exorbitants, ça sert à quoi? C'est du gâchis pour moi, hein. Je lis pas tout hein, parce que non. C'est une fleur liseron. Je pensais à ça aussi. Ou une fleur de courgette. Jeudi, c'est repos. Ah bah. Bah, faut faire plus de live le mercredi soir alors, hein, madame. Aurélie, non! Attention, Kalina n'est pas d'accord pour le liseron. Autour d'un haut. Bah oui. Une fleur de courgette autour d'un haut lune. Ah, c'est tout à fait logique. C'est une fleur de sel. Ah bah, de mieux en mieux. Allez, on se lance. On se lance. Ah, pas peur, pas peur. N'aie peur, n'aie peur de rien. Pou. Qu'est-ce que je mets comme. Je sais pas. Un col coquelicot. Dessine une épaule, c'est ça. Non! Je suis un homme. Je veux plus d'elle, moi. Et si je trouvais une palette pour mes fleurs? Non? Ah, sur le loup, Pinterest, là-dedans. Dans l'épée? Oui. Je préfère mes K-dramas, mes telenovelas. Oh, tu sais, être un homme, ça prend tout ce qui. Ouais, ça réfléchit pas pareil, un homme. Du tout. Du tout. Comment. La recherche, elle est où? Là. Color palette. Choupi, choupi, choupi. Ouais, peut-être un dans les verts violets. Ça me plaît plutôt pas mal. Ah non.
Pardon. Ça. Tiens. Ça. Un violet, violet, violet. Ça. Et sinon, pour la fleur de courgette, les pétales sont plus écartés. Non. Elle s'est inspirée de plusieurs fleurs. Voilà. Elle n'avait pas une fleur voilà, précise dans la tête. Elle a. T'as juste de la chance, comme Didi et Evel et Sève, c'est tout ça arrive la chance. Ouais. Le mien, il a des lubies quand même. Là, dernièrement, il avait la lubie de changer les meubles de place dans le salon. Par contre, il s'est aperçu que c'était pas possible. Du coup, ça va, ça lui est passé. Après, elle a une lubie, il voulait des bagouses, donc il s'est commandé des bagouses. Après, là, il a une lubie de commander un coupe-chou. Il s'est commandé un coupe-chou. Il l'a pas encore utilisé. Hein. On attend. Il va se couper. Ça va être magnifique. Mais il a des lubies, je sais pas vous, les vôtres, mais moi, il a des lubies. Il y a des moments, il pense à un truc et il lui faut tout de suite, il faut qu'il. Enfin, moi, c'était ça avec le Histoire éternelle, avec le petit carré Winnie, c'est vrai. J'ai des lubies aussi. Non, en ce moment, il les enchaîne. Jamais je mélange les fourcettes avec les cure-dents, t'inquiète pas, ouais, les fourcettes. Les fourcettes. Par contre, je mets le foncé au centre et je repars. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, celui-ci, un plus pâle. Ça. Allez. Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, je pars en freestyle. Et alors, ils sont normales les vôtres, lubies ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça, mais je crois que nous aussi, on a des lubies. Non, mais c'est. Ah ouais, le Histoire éternelle, je me souviens, j'en rêvais la nuit, hein. Le Winnie, pareil. Et Bilan, j'ai fait quoi de colo dedans? Écoute, tant qu'il ne boit pas, te trompe pas, ne te frappe pas et ne joue pas au jeu d'argent, tout va bien. Bah oui. C'est quoi ça, Kalina? Est-ce que ça s'ouvre? Le mien, la crise de la quarantaine. Attends, c'était un gosse tout. Ah oui, c'est blanc. Et c'est une fleur. Trompette. Ah ouais. Hallucinogène terrifiante. Ah, et ben on va éviter de s'en approcher alors, hein. Voilà. Mais j'ai pas envie de faire un truc blanc. Jour égale joue. Attends. Oui. Nous, à leur différence, nos lubies sont intelligentes. Ouais, bah pas toujours, hein. C'est quoi comme livre qui te hante, Hello? Merci, Kalina. La pleine lune, sérieux? Oh, c'est bon, hein. Mais bon. Thomas la lubie de vouloir voir Tarzan, donc on va regarder Tarzan, mon stream les gars. Bon film, mais c'est lequel de Tarzan? C'est celui avec celui qui était dans Ah, ça s'appelait comment la série là avec les vampires et tout là, Troubloud. Si c'est celui-là, ça va, tu vas kiffer, tu vas pouvoir mater un peu. Ah, le Disney, bon sorry. J'ai une envie de colo des dinos, je sais pas pourquoi, donc je pense au livre de Colo Jurassic World. Ah ouais, celui-là il est un peu complexe quand même. Sinon, bah t'as les petits dinos mignons de Morgan Aubryan. Il a sorti, il y en a deux, je crois, des petits livres comme les Mastix, mais en version dino. Ou sinon, t'as le dino dans le Colormorphia que j'ai fait, le T-Rex. Ou t'en as un autre dans du Kirby, t'en as quelques fois. Ouais, désolé. Désolé, Didier. Tu veux pas lui dire de. Tu veux pas regarder le film plutôt? Je
J'écris lire. Je vais voir Taz, Thomas. Non, c'est pas toi qui vais voir. Merci. Et puis les deux livres que tu as présentés. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Il y en a d'autres qui vont arriver, je suis désolée d'avance. Je ramène du panache. Un petit panaché. Oh, c'est pas vraiment le temps là. Je me suis pris un petit jus de fruits ce matin. Fraise. C'était quoi? Fraise pastèque et je sais plus quoi. Bah, c'est cher pour que ce que c'est, hein. Qu'est-ce que c'est? Non. Non, 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 attends. Depuis, non? Non, mais j'ai tellement de retard sur mes vidéos de présentation que il va y en avoir à venir. Hein. Préparez-vous. Hein. Non, prochain craquage, ça sera, oui, je pense, le mois prochain, si je passe ma commande sur Amazon Japan. Bisous, Didi. Bon Tarzan. C'est le temps idéal pour un panaché? Bah ouais. Bah alors. Je suis pas natif du Nord, alors voilà, c'est peut-être ça qui fait que. Moi, je trouve plus que c'est un temps à chocolat chaud. Tu as dû avoir les concerts K-pop et tout? Je sais pas. Je sors très peu, tu sais. Mais il doit y avoir des trucs à Amiens, oui, c'est sûr, mais non, je sors très très peu. Bah, il faut de l'argent pour tout ça, hein. Soju, ce jus. Pas de craquage depuis un bail, t'es sérieux, Sève? Ah ouais, non, t'es à fond dans tes bouquins et là tu vas dévaliser ta palle. Ma carte est bloquée depuis ce matin, heureusement j'ai cherché du PQ hier, je peux plus craquer maintenant. 18 degrés à Montpellier. Ah, je sais pas combien il fait, mais il fait pas froid froid là. Hein. Franchement, ça s'est réchauffé. Hein. Attention. 11 degrés. Ça va. C'est chez Mélo qu'il fait froid. Justine! Ah, je voulais rajouter de Justine. Mais je ne l'ai pas fait. Après, on va dire que j'ai une obsession obsessionnelle. J'arrive même pas à acheter un livre, c'est trop cher, j'y arrive pas. Bah franchement, oui, tu vois les prix. C'est Doudou l'autre jour à Auchan. Il a regardé le dernier tome d'Eragon qui est sorti là. 20, 21 boules, il me dit. Oh, jamais de la vie. Il attendra que ça passe en poche. J'ai entendu pâle, j'aime beaucoup lire moi. Avant, moi, je lisais beaucoup aussi. Là, c'est Sœurette qui est repartie dans la lecture. Sève, elle fait que lire là en ce moment, elle colo plus du tout. Moi je lis un peu, mais bon, j'avance pas. Je suis qu'à 64% de Grisha là, tome 2. J'avance pas. Pourtant, hier soir, j'étais à deux doigts bah, d'allumer ma liseuse parce que je faisais que de me retourner dans mon lit. Mais enfin, me retourner c'était vite fait, hein, vu que j'avais un chat sur moi. Voilà. Mes mouvements étaient un petit peu. Restreint. 13-8, jardin ouvert. Eh ben dis donc, super. J'ai lu plus de 20 livres ce mois-ci. Punaise. Ouais, là, t'es reparti comme à l'an 40, hein. Mais ça, c'était moi avant. Avant, ouais, je lisais énormément. Mais ça, c'était avant Jade. Du moment que j'étais enceinte d'elle, la concentration, c'était fini. Mais elle a de quoi faire, vous inquiétez pas pour elle, elle a une. Elle a un stock.
No chance. Moi aussi, il faudrait que j'ai toujours pas fini le livre de Ludo. Je regarde plus de vidéos, Colo. Ouais, du coup, t'as plus envie. Tu regardes encore des séries ou... Doudou, il me demandait si vous aviez pas Paramount Plus. Il veut gratter. Il veut regarder quoi, il m'a dit? Allô? Ouais, j'ai ma une grosse pâle. Waouh! Waouh! Tu lis beaucoup, mais t'écris pas beaucoup. Balle perdue. Vous avez plus par montre. Eh ben, je vais lui dire, il va être déçu. Mais tu vas voir, il va craquer. Allô, c'est super. Ouais, bah, je vais pas lui dire ça parce que tu vas être sûr qu'il va prendre le beau. Tu veux devenir ma meilleure nouvelle amie? Si tu chantes, on formera un groupe. Je vais pleurer. Tu lis quoi en ce moment, du coup, Sorette? Je vais avoir tellement de retard sur toi. J'en avais déjà avant. Alors là, c'est fini. Quand je suis allée à Martel bah, cette semaine, c'est quand j'y suis allée? Mardi. J'ai vu tous les Colleen Hoover qui sont sortis. Je me fais punaise. Oh! Non, la chanteuse, c'est moi la chanteuse. Dans la famille, c'est moi. C'est moi. C'est les percussions avec les livres de lecture. Evel, c'est la caisse. Non, c'est moi la chanteuse. Toi, t'es la parolière. Ah, tu lis un Colleen Hoover en plus. Je l'aimais tellement, c'est tout. Enfin, je l'aime toujours, mais c'est vrai que je l'ai pas lu depuis tellement longtemps. Faut que je rattrape mon retard chez mes auteurs préf. Bah ouais. Brittany Cherry, elle a dû ressortir plein de trucs depuis. Je n'ai jamais eu envie de me soumettre à ces autres idées érodées, je veux. Ouais, j'ai toujours pas fini le livre de Ludo. J'ai lu un petit peu ce matin quand j'attendais ma voiture au contrôle. Enfin, au contrôle. Oui, c'était ma contre-visite. Elle fait que des vibes basses. Charter pour ne plus revenir. Et Zao. Oui, t'as oublié le H, madame. Avec un H. J'essaie d'être présente sur vos lives, mais je regarde beaucoup de lives. Ouais, je me doute. Enchant, c'est quoi ton registre? Ouais, Zao, malheureuse. Tu fais ce que tu veux, on t'aime, assez honnête. Mais oui, quoi qu'elle fasse. Sache que malgré tout, je t'aime. Même s'il n'y a rien pour me retenir. Du coup, là, ça va être la Niva Mello. Je suis en train de penser où c'est que j'ai mon calepin. Ça tombe quel jour? Il faut qu'on la fasse chier. Hein. Attendez. Le 2, ça tombe. Attends. Ça tombe un vendredi. En plus, il va y avoir live. Ah bah alors là, il n'y a pas de vacances. Hein. Ça va. C'est quoi ton registre? Moi, j'écoute un peu de tout. À part le classique.
La variété française, j'ai un peu plus de mal, j'avoue. Portugais? Ouais, elle aime les frères portugais. Mince, comment ils s'appellent? Je sais pas. Kalma? Kalema? Je suis une star de Twitch, tu sais pas toi. Attention, elle va nous sortir son blaze. On fait un groupe. Le 2, ta boulangerie et ta canapé, tu peux pas? Mais lol. Moi je m'en fous, moi je vais la faire chier. Elle va souffrir le 2. Elle va souffrir. Elle va avoir le droit à des chansons magnifiques pour son anniversaire. Bon, en ce moment, de toute façon, ce qui se fait, c'est pas ouf. Hein, J'écoute pas de Jul. Hein. Ah non, non, non. Aya Nakamura, on évite aussi, s'il vous plaît. Oh, si jamais mes gosses ils écoutent ça, ça va être. Oh là là, mon Dieu. Oh là 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 là. Des héritages. Qui a pas? Il n'y a pas d'héritage, hein, mais. Voilà. Vous serez déshérités. Vous n'hériterez pas de mes livres de colo. Boulangerie canapé. À fond, Aurélie. Une étoile filante, ouais. Comme les Mentals, c'est quoi? D'où les Mentals, c'est une étoile filante. Les Mentals, c'est une étoile. Elle reste, même si on la mange. Accro. Yana Kamura, oui, non. Faut pas aller vers elle. Oh, c'est horrible. Taz, eh, je suis Taz, Taz Nemo Colo & Co, Taz Color. Non, je pense pas. Ça va être les fleurs les plus longues. Je sais pas dans quoi je pars, mais je pars. Ok. Étoilement pour le nom du groupe. Oh. C'est pas ouf, hein. Voilà d'où. Est-ce qu'il y a des musiciennes dans la salle? Oh, cœur sur toi. Elle doit être colère tout rouge là. Comment ça? Comment a-t-elle osé? Gaffe, elle va te ban. Tantaz, elle veut le tapis rouge. Hein. Les insouciantes, insouciantes, subtiles, tel un diamond brut de pomme. Ouais, d'accord. Prochain tube, ouais. Après le tube de la gastro, que va-t-elle nous trouver? Vous faire une chanson anniversaire là pour Mélo. Faire une chanson de qualité supérieure là. Étoilé mental, étoilement, non? Ah
Oh non. Je suis pas fan de l'emmental, hein, perso. Voilà, je suis jurassienne qui n'aime pas trop le fromage. Je sais. I love your style. Je l'ai, c'est bon. Attends, Dizzy de la peste. Qu'est-ce qu'il chantait, lui? Je connais, hein. Coucou, papy! Comment ça va? Je suis contente de te voir. Écoute-moi ça, tu en reviendras pas tes oreilles. Oh. Oh. Avouez ma Louis Vuitton. On fait oh, and I made you look. Mes fleurs vont être dégueulasses. Je sais pas quelle idée j'ai eue, je sais pas. Je me dis merde, ça me dit quelque chose ça. Je pète les... Ah oui! J'ai oublié qu'elle était si longue. Papy, il fait comment déjà? Ah, il fait comme ça, papy requin. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas regardé, je sais plus. Seuls les parents connaissent. Mais attends un peu! Après, tu vas dire qu'il y a du latence. Ah là là, quelle voix! C'est la fin. Putain. C'est plus soft ça. Hein. Le bouton. Vous connaissez? Que tu as un gros chagrin. Tu sais qu'il existe. Chez les petits mains. Ouais, c'est moi. Ce que je chante à ma fille le soir. Faites ton corps. Puis il y a des fois, je lui fais avec l'accent, enfin tout. Je fais des grimaces et tout. Enfin, faut voir le truc, hein. Après, on s'étonne qu'elle veut que ce soit maman qui fasse le dodo. Ah. Mais non, mais moi je m'inscris à The Voice, hein. Rien à foutre, hein. C'est trop de talent, hein. Me vois arriver à The Voice, puis l'enfer. Qu'est-ce que tu mets là? Arrête, je commence à avoir chaud là. C'est quoi la chorégraphie que tu veux que je fasse là? Qu'est-ce que t'as dans la tête là? J'ai chaud. Non, mais je look. On n'est pas sur la bonne chaîne Twitch, hein, sinon j'aurais fait le déshabillage. Tu chantes mieux que moi, imagine. Ah bah. Mais moi aussi. Ah ouais, j'ai chaud. Et c'est bien, mon siège il descend plus. Eh.
Je peux danser maintenant. Parce qu'avant, c'était pas possible. Les anciens savent. Ça va faire un globi-boulga, ce truc, mais alors. Je me désolidarise de moi-même. Hein. Oh, je look. Je me suis encore fâchée après celui-ci cette semaine. Franchement. Attendez. Sur quoi je peux me mettre? Est-ce que c'est normal? Oh le bâtard! Ah, je me disais bien, c'est bizarre. C'est l'horreur. Dès que tu le touches, tout se barre. Parce que bien entendu, tu veux fermer la petite porte. Mais la petite porte, elle est où? Eh bah, me dites pas dans mon huc, hein. Non. Elle est là, mais elle sort pas, hein. Voilà. Arnaque. Mensonge. Le siège. Mais oui, le siège. Un chat mon siège. Ah. Il est cassé, c'est tout. Non! Mais à peine 2 jours après que je l'avais, c'était déjà comme ça. Tu vas pas me dire que c'est normal? Ah, ça y est, j'ai touché le cap de la cam. Elle nous a quittés. RIP. Faut que j'arrête de bouger. Je gesticule trop. Et non, je testicule trop. Est-ce que tu reviens? Il est où le cam? Il est là. Hop. Je me mettrai pas à quatre pattes, hein, je vous préviens. Attends. Hop. Ça. Ah bah non, elle est plus branchée. Périphérique non reconnu, tu te fous de hic. Oh non. Il aime la mépu. On va se fâcher, hein. On va se fâcher tout rouge. Hein. Il me la met plus dedans. Et si je te branche à l'ancienne? Alors. Tu t'es très proche du sol quand même. Oui, en faisant 1m50 en même temps, j'ai pas trop le choix. Twice. Ah, ça y est, elle est revenue. Elle est revenue. Allez, active-toi, meuf. Pourquoi tu veux pas travailler? Allez, ça y est, c'est reparti. En ce moment, elles veulent pas, hein, les Logitech. Hein, elles en ont marre de moi. Je les comprends un peu aussi. Ah, il est moche! C'est Hannibal Lecter! J'appelle la prod demain. Ok. Mais vous avez vu comment il était dégueulasse? Oh, je suis chaud. J'arrête mes conneries. Hein. Ouais, cœur sur toi, Taz. Cœur sur vous tous. Attends. Tu préviens, je suis pas facile et exigeante et je suis pas facile, hein, c'est ça, hein? Exigeante et grande. Tu vas voir Tarzan aussi? Bon film, Mélo. Des bisous. À bientôt. Et calm down. Calm down. Va reposer tes joues. Oui, déjà 15h30. Ça me désole, voilà, les heures qui passent là, ça me. J'ai dépassé. Et... Sur la lune pull.
Elle est trop grande, elle va nous faire de l'ombre. Faut pas la sélectionner, elle. Elle est trop grande. Puis bon, je chante en portugais. On se lève. Ouais, bah je suis pas très loin. Hein. C'est bon. Hein. Amiens-Paris, ça va vite. Hein. Comme ça, il y a Cassie qui m'attend quand j'arrive. Parce que je vais me perdre sinon. Inextricable. Waouh. Inextricable. Inexplicable écriture. Bon, là, tu peux pas dire que je suis pas allée dans des couleurs qui changent. Hein, franchement, hein, là. C'est comme si j'avais été possédée pour ce colo. Hein. De toi. Je suis plus fière que fière de toi. Merci. Félix est sans doute à la Fashion Weeks. Tu le séduis et comme ça, je chope un autographe. Aussi. T'es gauche, elle était droite surtout. J'étais trop contente hier soir de voir cette image avant de fermer mes yeux pour mon sommeil. J'en ai rêvé. Puis encore, je te l'avais envoyé, j'avais juste fait la peau, n'est-ce pas? Parce que quand je me suis couchée, j'avais déjà commencé les cheveux, j'avais fait les yeux. Ouais. Non, j'ai bien avancé hier sur le live. De Didi. Il est moche ce prénom, désolé, mais non. Je lui marcherai dessus juste pour. J'ai juste à lui. Oh, mais là. Félix des Stray Kids. Félix, c'est qui ça? Eh mais je suis complètement has-been, hein. Je suis plus du tout à la page, hein. Félix Stray Kids. Ah, c'est de la K-pop. Ouais, je suis passée à côté. Elle est mieux avec les cheveux bleus, hein. Bah écoute. Excitation. Ah non, pas un clone, hein, s'il vous plaît. Une, c'est suffisant. Gonna be a good night. Adieu mon rêve de rencontrer Félix et Daniel Jung. Une de plus en dépression. Allez, allez. Bienvenue dans le club. Of good, good night, feeling. N'empêche, je vois toujours la balafre de Bella. Hein. Toujours pas passé. Hein. Petite peste. Dépressive anonyme, bonjour.
Welcome, bienvenue. Il marche pas super, hein, le 932-2, hein. Elle t'a mordu parce que tu le vaux bien. Non, mais elle m'a griffé. En plein direct en plus. J'étais en train de filmer et tout. Elle m'a chopé. Ce n'est pas son physique, mais sa voix. Juste le plaisir d'entendre. Bon, faudra que j'écoute ça alors. Ah, t'as trouvé? Attention. J'ai peur. Voir carrément bosser avec lui. Bien sûr. Rien n'est impossible. En fait, son épaule que tu vois à la gauche fait le trait de la lune par-dessus et cache comme tu peux son drapé. Là. Là, je fais un trait en continu. Et là aussi, du coup. Sera plus simple pour toi et ça fera comme si la lune était devant terre. Ah, ok. Pour te faire une idée, God's Menu, il a un passage en solo. Attends. Je note. Donc, c'est Félix. Pas Félix le chat. C'est étonnant qu'il s'appelle Félix quand même. Alors, fait. Attends, faut que je retourne, je remonte. Attends. Stray Kids. God menu. God's menu. Je suis une vieille dame, moi. Ah. Mais es-tu la plus vieille? Je ne pas, pas. Je ne pense pas. C'est sur 25 ans, c'est loin. Très loin. À l'aide. Womanizer. Il est coréen, mais né en Australie et son prénom veut dire joyeux. Ah ouais? We are baby lollipop. Comme les sept nains de Blanche-Neige, oui, c'est joyeux. Oui, I am old man. Ok. What is your age? Elle veut savoir si c'est toi la plus vieille ou pas. Parce que la dame est déjà vieille. Aujourd'hui, le concours de qui est la plus vieille? Qui est la plus vieille du stream? Vous le saurez à la fin de cet épisode. On dirait Molly Mode. Demande pas.
Tu sais que Taz adore demander ces choses-là. Est-ce que c'est parce qu'elle veut être la plus vieille ou l'inverse? Nous ne le savons pas. En Asie, les prénoms ont une signification. Bah oui, nous, c'est. Déjà, tu regardes bien les noms qui sont en cours et les noms qui sont dans le calendrier, c'est plus très raccord. Womanizer, wow. Au Japon, le prénom pour les petites filles est Lin cette année, qui veut dire fortune. Ça veut dire quoi en japonais? Ça veut dire casse-couille. Oui, je suis déçue. Voilà, ma blague était drôle. C'est tout. Du coup, avec Méline, tu as la moitié de la fortune. Ça s'appelle l'arnaque. Un prénom qui en découle, je cite, naturel, inspirante et couteau à deux mains. Il faut savoir que Taz vaut un amour inconditionnel pour les couteaux à beurre la gueule. Voilà, qu'elle a découvert chez moi. Voilà. Mon Dieu. Au secours. Elle est dégoûtée parce que c'est moi la plus vieille. Au-dessus de mon ancien. Tu pourrais nous faire une belle parodie pour celle-ci, ne penses-tu pas? Si tu changes le maire en. Non. Je me calme. Si tu n'oses pas. Ouais, je sais, je vais travailler ça. Non, la plus vieille, c'est moi. On ne sait toujours pas. Elle n'a pas le droit de dire des gros mots. Moi, c'est pourtant qu'elle hein, qu'elle n'en dit pas. Hein. Nous savons tous, nous avons des oreilles. N'importe où sur la terre. Je sais ton père. Petit enfant. Voilà. C'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Si tu veux bien changer ma mère contre Merle, c'est mais bon. T'auras ton flair au-dessus de tes draps, n'importe où sur la terre, je serai ton enfer, petit con. Tu peux faire mieux, je pense. Bon, demain, pas de SACEM, je vais me consoler avec Song Kang. T'es chelou, hein, Aurélie. T'es chelou.
T'es chelou. Ça, c'est parce que tu regardes des animés. C'est un autre monde pour nous. Ok Aurélie. Ouais, c'est vrai, j'avoue, je vais bosser, ça change, il y a un truc. Ouais. Tout ton ta culture asiatique, voilà. On est passé à côté de nous. Mais totalement. Tu nous as appris beaucoup de choses. Merci à toi. C'est Didi qui écoute un peu de K-pop, me semble-t-il. Bah, je sais pas s'il écoute autre que Blackpink, mais. Puis elle doit regarder aussi Didi des animés. Doudou en regarde quelques-uns. Cet acteur de K-drama, My Demon, sur Netflix. Ah, Demon. C'est compliqué pour nous, Demon. Nous, on est attachés à un certain Demon. Demon Savaratore. Pardon. J'ai la langue à. Elle voulait aller voir Demon, je crois. À la revoyure, madame, vous m'êtes bien sympathique. Mais oui, Demon Salvatore. Salvatore con mi amore. Vous pensez qu'il comment il va vieillir comment lui? Il va vieillir à la Alain Delon, pensez-vous? Ou il va devenir dégueulasse? Arrêtez, je transpire. Je m'en fous, il sera encore tel quel. Ses yeux de Dieu. Ça n'avait pas été sage aujourd'hui. Je tiens à vous le signaler quand même. Hein. stylo gel. Je sais pas si je me suis. Non, celui-là, il fait bleu. Ouais. Le gars n'a pas changé physiquement depuis les années 2000. C'est comme Tom Cruise, hein. On sait jamais. Ça peut venir d'un coup. Tu vas voir le hockey. Non, pas ça. C'est horrible quand j'ai le hockey. Dean Winchester. Attends. C'est celui qui est dans Supernatural, non? Bah, je préfère quand même Damon, hein. Tu vois. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, donc le pistil, voilà. Disparition pistil. Supernatural, ouais. C'est un alcool fort, ça? Oui, Chester, c'était pas des clopes. C'était Chesterfield, merde. Ou un truc dans le style. Je sais plus. Je fume plus depuis très longtemps. Ah, les devoirs! Attention, attention. Ils ont toujours pas enlevé le truc de Noël hein, sur l'application. Pour demain, ah bah ils ont mis que le CP. Bon, ça va venir. Elle est en train. Et aussi un whisky, je crois. Bien entendu, je ne ferai pas la lune avec vous. Vous vous en doutiez, hein. Je suis une filoute. Et une ville aussi, je crois. Armes à feu, les Winchester. Ah oui! Oui, ça me parle. Baby, baby. No more. Et carabine. Eh ben dis donc, vous êtes calés les filles. Hein.
Ça fait un peu peur, hein. Mais qui pique. Finalement, j'ai pas eu OK. C'est trop chelou la meuf aujourd'hui. J'espère que Jade, ça aurait été à l'école. Ce matin, je l'ai déposé le chouiner dans la bagnole. Je veux pas aller à l'école. Et bah, t'iras quand même. Sale gosse. Va montrer ta nouvelle coupe de cheveux. Ah là, je vois Tasse danser là. Je sais pas pourquoi. Et finalement, il est arrivé. Il a mis le temps. On a rajouté des trucs, oui, ben. Alors, grammaire, complétez le texte du cahier de devoir et opération à poser. Il y en a combien à poser? Deux. Une addition, une soustraction. Ça va aller vite. Non, ça va. C'est raisonnable. Oh, j'ai l'oreille qui siffle. On parle de moi? Pas du tout, elle est nulle cette musique. Elle s'est laissée faire les cheveux hier. Bah écoute. On est arrivé, il y avait déjà une plus petite fille qu'elle qui regardait les Titounis du coup, en train de se faire couper les cheveux, et il n'y avait qu'une coiffeuse du coup. Donc on a attendu notre tour, et elle lui a de toute façon, elle lui a même pas proposé le shampoing, elle s'est dit de toute façon, cet âge-là c'est l'horreur, donc on n'a pas fait le shampoing, mais elle lui a demandé de s'asseoir, Pop elle s'est assise, puis après je l'ai plus entendu broncher, je lui ai enlevé le tutut, et. Elle a été sage, elle a écouté et tout. Elle surveillait, mais elle n'a pas pipé mot. Puis à un moment, la coiffeuse, elle me regarde, fait, je suis en train de me rendre compte que la dame d'avant n'a pas payé. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, en partant, moi je paye. Voilà. C'est bien, elle était aussi sage que son frère. Alors, t'es contente, la coiffeuse. Hein. Elles sont les deux. Elles sont deux, maintenant elles sont trois. J'ai jamais vu la troisième pour l'instant. Mais elles sont fans de Liam. Hein, donc. Jade a réussi à grappiller un bonbon pour lui. Elle lui a enlevé quand même une bonne partie, enfin tout ce qui était
Pour les mettre. C'est la première fois qu'elle y allait. Pour les mettre au même niveau, quoi. Du coup, ses boucles sont parties. La partie un peu plus blonde, ouais. Rip. J'en ai récupéré un peu. Parce que c'est sa première coupe de cheveux. Je mets dans son petit classeur de bébé. De toute façon, il ira moins souvent que son frère, hein, c'est sûr. Hein. Elle, une fois par an, ça sera bien, je pense. Hein. Bon, moi, je vais arrêter là. Hein? Je ferai la lune de mon côté. Ah, il ne me reste plus guère. Mais bon, je pense qu'il faudra que je fasse le fond quand même pour que la lune, elle ressorte. Il faut que je fasse un fond de nuit quand même. Moi, je leur ai toujours coupé les cheveux moi-même. Oui, non, mais moi, tu me connais pas. Moi, avec les cheveux et un ciseau, je ne m'arrête pas. Tant qu'il y a des cheveux, je coupe. Voilà. Non, je peux pas faire ça. Je ne me raisonne pas. Suis pas convaincue de la fleur, hein. Mais oui, je sais, c'est l'heure. Non, je touche pas. Je prends pas le risque. Je vais couper la musique. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un à raid ou pas. Je sais pas du tout s'il y a des gens en live. Il y a assez d'art. Elle fait quoi? C'est de la sculpture, je crois. J'allais dire, chers compatriotes. Non. Et Asilidan aussi. Et sur de la sculpture. C'est pas trop chez qui je vous envoie. Si vous voulez aller voir les petits chats. Bah, Aurélie, t'arrives à la fin. Bah alors? Qu'y a-t-il, ma crenette? Non, je m'en vais chercher mes enfants à l'école. Voilà, c'est 16h, voilà, c'est l'heure. Bonne fin d'après-midi tout le monde. On se retrouve bah, demain. Demain, même heure, même pomme. Voilà, la vieillesse de la dame. Je vais vous envoyer chez les petits chats, du coup. Allez, les petits chats, ils sont mignons. Ah ouais, je sais même pas s'il y en a à l'écran. Je vous envoie chez les petits chats. Des gros bisous. Mais je reviens demain. Bah, du coup, demain, on fera sûrement une roulette parce que je pense que je l'aurai fini d'ici demain, celui-ci. Donc demain, je pense qu'on fera une roulette. Des gros bisous. Merci d'avoir été là. On a bien rigolé, c'était fun. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À demain. 14h. Ouais, c'est ça. Bisous.